ça? Bah, plutôt bonne parce que le site est agréable, donc ça donne tout de suite bonne impression quand on rentre ici. Déjà, c'est en plein air, il fait beau, c'est merveilleux. Je pense que l'aménagement est super. Et puis, j'ose imaginer cet amphithéâtre plein, ça doit être quelque chose. Donc forcément, il doit y avoir une bonne ambiance. Donc je dirais que ça lance une bonne tonalité, ça a l'air super convivial. Bah, il n'a pas mauvaise réputation, le public marseillais. Bah, par contre, on sent bien qu'il y a une identité régionale forte, avec comme moi de là où je suis. Moi, je suis du Nord, donc c'est pareil. C'est les deux extrêmes qui s'affrontent. Mais par contre, pour être déjà venu jouer à Marseille, et avec des appréhensions, j'ai toujours un accueil formidable. J'ai joué plusieurs fois, le public marseillais, il s'y connaît, il aime bien rire. Voilà. Je pense que. Enfin, on défend tous des univers différents, donc c'est bien parce que je trouve qu'au niveau de la programmation, c'est vraiment très éclectique et du coup, ça va donner. C'est comme un cocktail, hein. La sauce elle prend ou elle prend pas, mais là tout est fait pour que la sauce elle prenne et les ingrédients ils ont l'air plutôt bons, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, un Alban Ivanov avec Jean-Phi et Elise Moon, c'est carrément tu passes d'un univers à un autre et je pense que c'est bien, ça fait une belle diversité, mais comme la ville de Marseille d'ailleurs, donc ils aiment la diversité ici. Je dirais nature, Moresque, c'est pas le truc. C'est à boire ça, Moresque. Non, je danse le Mia Dayam, c'est l'époque qui me parle. Bah oui, tout est parti d'ici. Panisse. J'en bois ou gagner? Qu'est-ce que c'est, machin là? Du jambon, c'est du jambon avec du foin. Je sais pas, c'est quoi, moi? Et du gagner, alors attends, laisse-moi deviner. C'est à manger forcément, du jambon. Non? C'est à boire du jambon? Non? Nous, on a la jambe, c'est pour pareil. Non. Alors, du jambouin, c'est une voiture, non? Viens dans ma jambouin, non? Alors, qu'est-ce que c'est, jambouin? Vas-y, donne-moi l'indice. L'indice, c'est un rapport avec le sport. Ah, c'est des noms de sportifs d'ici, non? C'est ça? Je vais pas vous dire, en fait, tribu de jambouin et gagné, c'est les deux tribus principales. Tu dis ça à un mec qui est du Nord, qui plus est une tapette et qui s'intéresse pas du tout au foot. Tu m'aurais dit Soria Bonali ou machin, je t'aurais répondu moi, mais j'en bois. Eh ben, la tribune qui expose au soleil, voilà. Alors j'ai vu que ça revient à la mode, claquette chaussette. Et je trouvais ça nul au début et finalement en le voyant, ben non, je trouve que ça passe. Bon, il y a claquette et chaussette et claquette et chaussette, hein. Faut pas. Après, mais bon, et puis l'espadrille, c'est plus des contracts, mais claquette chaussette, c'est plus le sport. Ouais, c'est les sports. Mais je sais pas. Après, dans le fantasme, je dirais une claquette avec une espadrille, je sais pas. Moi qui suis du Nord et qui viens à Marseille, j'ai toujours apprécié l'accueil qu'on m'a fait ici parce que je pense que les extrêmes s'attirent finalement. Enfin, alors, on défend tous les deux des accents qui sont bien marqués parce qu'ici, il y a l'accent qui chante et nous, on a l'accent qui chante pas du tout. Mais justement, c'est ça qui fait que ça match ici pour moi. Donc les Marseillais, c'est le sens de l'accueil, la diversité et le vivre ensemble.